RTCI nous réunit. Au fil du web vous est présenté par Aïssa Rishi. Aïssa Rishi. Bonsoir Aïssa. Bonsoir Emna. Aïssa qu'on retrouve du lundi au jeudi à 17h30 dans Au fil du web. Alors au menu de cette chronique hein, ce soir, une affaire qui préoccupe au plus haut point l'opinion publique sur la toile. Exactement, l'opinion publique qui est toute secouée, moi aussi un peu j'avoue, parce que ce n'est pas la première du genre, il faut dire, une affaire qui fait actuellement couler beaucoup d'encre, ça se passe au Kef. Et il s'agit du mariage d'une jeune fille âgée de 13 ans avec son violeur, et ce sur décision de justice et avec l'accord des parents. Information qui fait la une de quasiment tous les web journaux. Alors, le contrat de mariage a été signé auprès d'un huissier notaire entre un jeune âgé d'une vingtaine d'années et la fillette de 13 ans, cette dernière, selon une information que rapporte une radio privée, est enceinte de 3 mois. La délégation de la protection de l'enfance hein, du KEF est intervenue pour s'opposer à ce mariage. Alors, elle a tenté, hein, mais en vain, parce que ses prérogatives ne lui permettent pas d'interdire l'autorisation donc judiciaire. Mais la loi donc est du côté du violeur en attendant sa remise en question. Le violeur, fraîchement marié avec sa victime mineure, échappe donc à la justice selon la loi. Il s'agit de l'article 227 bis du code pénal qui permet à tout violeur d'éviter la prison s'il épouse sa victime. Le mariage du coupable avec la victime arrête les poursuites. Exactement, alors selon cet article, est puni d'emprisonnement pendant 6 ans celui qui fait subir sans violence l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de 15 ans accompli. La peine est de 5 ans d'emprisonnement si l'âge de la victime est supérieur à 15 ans et inférieur à 20 ans accompli. Le mariage du coupable avec la victime, dans les deux cas prévus par le présent article, arrête les poursuites et les effets de la condamnation. Mmh. La poursuite ou les effets de la condamnation seront repris si, avant l'expiration de 2 ans à dater de la consommation du mariage, ce dernier prend fin par le divorce prononcé à la demande du mari, et cela conformément à l'article 31.3 du Code du statut personnel. Cette affaire n'est pas sans nous rappeler 2 autres affaires récentes, j'ai envie de dire hélas. Exactement, d'abord celle d'une jeune fille victime de viol à répétition et d'inceste venue témoigner en octobre dernier à l'émission télévisée Andy Manrolok. L'animateur Ali Chebi lui répétera alors qu'elle est coupable et que c'est aussi de sa faute et il va lui suggérer d'épouser son violeur comme solution. Une autre affaire a éclaté au grand jour en septembre dernier à Gafsa avec la publication d'un album photo sur les réseaux sociaux montrant une fillette de 12 ans se préparant pour célébrer ses fiançailles. Exactement, alors une affaire qui avait coûté sa place, on s'en souvient, au commissaire régional de protection de l'enfant chargé par le ministère de la Femme et de l'Enfant de prendre en charge ce dossier. Mais le dit commissaire donc, n'avait pas répondu aux attentes du ministère et il avait approuvé en quelque sorte cette union. Du coup, voilà, il a été viré, hein, il faut dire les choses comme ils sont. Un projet de loi, entre-temps, pour lutter contre la violence faite aux femmes et qui annule purement et simplement ce genre de pratique, attend d'être débattu à l'ARP. Le site d'investigation Inkifada se pose à ce sujet la question de si le nouveau projet de loi contre les violences faites aux femmes va suffire à pallier ces injustices. Alors oui, alors la question se pose effectivement et elle est de la plus haute importance parce qu'en Tunisie, on le sait, près de la moitié des femmes âgées de 18 à 69 ans ont été victimes, au moins donc une fois, de formes de violence morale, physique, économique ou sexuelle, selon une enquête du CREDIF, le Centre d'études de recherche, de documentation et d'information sur la femme, publiée en mars 2016. On notera également que samedi dernier a eu lieu la clôture des 16 jours d'activisme contre la violence de genre, comme on l'appelle, une campagne initiée donc à l'occasion de la journée internationale de l'élimination de la violence faite aux femmes. Mmh. Donc le projet de loi apporte des changements, on revient à notre projet de loi, donc au programme des changements majeurs dans l'approche de la lutte contre les violences faites aux femmes et à leurs enfants, notamment en termes de prévention et de protection des victimes. Le texte prévoit ainsi la mise en place de programmes scolaires et universitaires dont l'objectif est vraiment d'inculquer au plus grand nombre les principes des droits humains et l'égalité entre les sexes. Il sera également désormais interdit par la loi aux médias
de véhiculer des stéréotypes basés sur le genre qui seraient de nature à encourager les violences et les discriminations faites aux femmes. Alors concernant la répression de ces actes de violence et de discrimination, hein, une des principales mesures concerne le violeur qui ne pourra plus échapper aux sanctions en épousant sa victime. Exactement, alors on a vraiment hâte hein, que ce projet de loi donc, rentre en vigueur et que ce genre de pratique soit sanctionné. Le projet de loi prévoit également une peine aggravée si certains crimes sont commis par des ascendants ou des descendants conjoints sur des personnes vulnérables, comme des enfants, des personnes âgées. La redéfinition également du harcèlement sexuel qui supprime la condition de répétition telle qu'elle est prévue actuellement dans le code pénal. La criminalisation de la maltraitance et des agressions ou violences verbales et psychologiques commises à l'encontre des enfants, la criminalisation de toute forme de harcèlement dans l'espace public, ainsi que l'interdiction des discriminations basées sur le genre dans le travail, comme les salaires, le recrutement, le licenciement, donc basé sur le genre, ce sera désormais interdit, ainsi que le travail domestique des enfants. La reconnaissance du viol conjugal figurait parmi les principales revendications des organisations de la société civile ayant défendu l'élaboration d'une loi intégrale contre les violences et la discrimination dont les femmes sont victimes chaque jour. Exactement, sauf que, fait remarquer Inkifada, le projet ne nomme pas explicitement le viol conjugal, même s'il définit la violence sexuelle contre une femme indépendamment de la relation de l'auteur avec sa victime. Alors la plupart des crimes, comme les homicides ou les violences physiques, seront pourtant punis plus sévèrement si le coupable est l'époux ou le partenaire de la victime, mais cette disposition est absente des articles relatifs au viol et aux autres formes d'agression sexuelle. En somme, malgré des avancées certaines dans la protection des femmes et la répression des violences et des discriminations qu'elles subissent, le projet en attente d'examen à l'ARP ne mettra pas fin à toutes les dispositions discriminatoires envers les femmes comprises dans le corpus législatif tunisien, averti Inkifada. Voilà tout, hein, je crois, pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Aïssa. On se retrouvera demain. À demain. À 17h30. On reste ensemble, ne partez pas trop loin. C'était Dauphine du Web par Aïssa Khlicha.